recette que je vais faire. Alors, je vais faire venir des oignons rouges, ben un peu d'huile d'olive, un peu de poudre de fenouil, de la ciboulette fraîche, et je vais faire venir mes courgettes. Voilà. Et avec du sel d'ail. Je vais revenir mes courgettes. Au préalable, j'ai mis du saumon que j'ai fait mariner avec du sel, du poivre, du vinaigre de cidre, une petite goutte de citron comme ça. Vous pouvez mettre du citron frais. Hein. Des herbes, de la ciboulette et des herbes comme ceci. C'est pour le poisson uniquement. Donc ça, ben, je vais le faire revenir tout à l'heure. Pour l'instant, je fais revenir mes courgettes. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre, comme il a mariné, vous voyez, je l'ai fait mariner. Maintenant, je le prends et je vais le faire cuire dans la marinade. Hein, on est d'accord? Voilà, je le prends comme ceci. La marinade sur mon saumon. Bon, tant qu'à faire, je prends un couteau qui coupe, hein, parce que là, c'est un couteau vraiment. Il faut faire attention, bien sûr. Et là, je coupe des morceaux de tomates. Alors, je vais prendre mes morceaux de tomates qui sont épais, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, comme ceci. Vous voyez, hop, voilà, comme ceci. Je vais prendre des morceaux de courgettes que, au préalable, j'ai déjà cuit. Voilà, comme ceci. Si vous aviez des épinards, vous auriez pu mettre des épinards. J'en ai pas. C'est dommage. Voilà, comme ceci. De la ciboulette fraîche. Déjà, c'est super assaisonné. Hein. Voilà. Moi, je prends une paire de ciseaux pour couper la ciboulette fraîche. Voilà, il y a des oignons, il y a tout. Voilà. Et on va mettre les courgettes autour. Et ça me fera un petit plat. Normalement, j'ai des rondelles de citron. Donc là, c'est du bio. On peut y aller. Et je vais couper des... comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Hop. Et hop. Et hop. C'est une façon d'accommoder le saumon différemment. Voilà. Donc, il faut savoir que le saumon, ça cuit rapidement, hein, on est d'accord. Hein. Et moi, j'ai mes courgettes que je vais mettre. Voilà. Et là, je vais mettre mes courgettes autour. Vous voyez? Hop. On aurait pu faire revenir des petits lardons, hein, ça aurait été sympa, même si c'est du poisson. Mais là, en l'occurrence, c'est du poisson. Alors, le poisson, il est au milieu. Voilà. Hop. Et voilà. Et moi, ce que je vais faire... voilà. Hop. Vous voyez, mon plat, il va être cuit. Des rondelles de citron. Mais des toutes petites rondelles. Toutes fines. Comme ça. Hein? Et je vous jure que ça va être une dinguerie. Deux. Oui, enfin. Vous savez que j'ai un truc pour ne pas me couper, hein? Je le prends même pas. Voilà, et pour faire joli, parce que ça manque un peu, de la ciboulette. Et je le mettrai au four au moment venu. Voilà. Et voilà. Et croyez-moi, ça va être une dinguerie. Je me finis tout le pot, parce que j'utilise énormément pour la viande, pour tout. Voilà, je vous conseille, c'est à Naturalia. C'est délicieux, ça donne un goût magnifique. C'est de la tartinade. Voilà, c'est de la tartinade, mais vous pouvez l'utiliser comme ça. Voilà, et moi je peux vous assurer que j'ai même pas besoin de goûter, c'est divin. Parce que j'ai entièrement confiance en ma cuisine. J'ai entièrement confiance en ma cuisine. Et donc j'ai mis de l'huile d'olive et je vais mettre juste une petite pointe de beurre. Voilà. Et voilà, le plat, cette fois-ci. Et j'ai oublié, il faut que je refasse revenir des crevettes. Que je vais mettre dessus, par-dessus. Voilà.
je vais faire revenir des crevettes que je vais remettre par-dessus. Et après, je les rajouterai. Voilà le petit plat. Voilà. Donc, je fais revenir. J'ai fait une petite marinade, je fais revenir. Et surtout, je n'oublie pas de couper la ciboulette fraîche. Et là, je fais revenir, je rajoute un peu de poivre, un peu de citron, bien sûr, la poudre de fenouil et du sel. Voilà. Et là, eh bien, elles se sont imbibées et on va les mettre dans le plat. On va mettre les crevettes avec la petite marinade. Voilà. Et voilà mon petit plat. Voilà, il est prêt. Tout saumon. Prêt à mettre au four. Au four. Voilà. Donc les courgettes sont cuites. Il y a juste le saumon à cuire. Ça va très vite. Voilà, voilà.